Ça, deux joueurs algériens de l'équipe A-Prime, Ben Chira fait appel à ces deux joueurs, à savoir Djabou et Hadja Issa qui évoluent au sein de l'entente sportive de ces types, 2-10. Hadja Issa est connu pour sa vivacité, ses dribbles, sa force de pénétration, peut-être celui qui va apporter la solution. C'est ce qu'il faut avec, dans un match pareil, un joueur qui tient le ballon et qui laisse le temps à ses camarades de bien faire et de laisser se repositionner. Il y a un troisième changement. Il y a un troisième joueur qui rentre. Voilà. Donc on reprend directement le match avec Rabah Meddali et Bouch Nassar. Dégagement du gardien Lambette de cette équipe de Centrafrique après une pluie battante, un orage qui est passé sur ce stade de Bangui. Attention ! L'ouverture du score pour... l'équipe de Centrafrique, un tir de loin qui a trompé le gardien Bolhi avec cette balle qui a fusé sur la pelouse du stade de Bangui. Et regardez tout ce monde, cet envahissement de terrain. Là, celui qui est rentré, Erdogan, il avance, il déséquilibre un peu nos défenseurs. Il tente sa chance de 35 mètres, hein, 37-40 mètres. Hein. Il surprend Bolhi qui a été très bon jusque-là. Et le ballon qui a rebondi sur la pelouse. Et je peux dire à Erdogan qu'il a plu, il s'est mouillé, et c'est ça qui a peut-être rendu les choses difficiles pour un gardien de but. Et cette pluie qui a donc considérablement gêné et joué un mauvais tour à Bolhi. Dans ce match, puisque sur ce tir de loin, le premier depuis qu'il y a eu cette grosse pluie qui est tombée sur la pelouse. Allez, c'est pas fini, sur Bangui, hein, c'est pas fini. Il reste quand même 8 minutes à jouer, mais un but en tout cas surprise, même si les Centrafricains ont beaucoup... ont beaucoup attaqué, ils ont dominé et comme vous le voyez, le match qui a du mal à reprendre parce qu'il y a eu du monde qui est rentré sur le terrain après le but inscrit et donc le jeu qui va reprendre dans un tout petit instant. Il y a eu la rentrée de Hadja Issa également entre temps puisque juste avant ce but de l'équipe de Centrafrique, eh bien, les Verts pensaient pouvoir reprendre le dessus sur le plan du jeu. Ça n'a pas été facile. Le match n'est pas fini, Erdogan. On vient donc ici. Il reste à tout casser 10 minutes de jeu. 10 minutes de jeu, on peut faire beaucoup de choses. Alors, il ne faut pas baisser les bras. Il faut avoir cette réaction pour essayer au moins d'égaliser. Et j'espère qu'on pourra le faire. Voilà, en tout cas, maintenant il faut jouer l'attaque à fond, à outrance. Et Djumbor qui était en excellente position et qui allait tirer au moment où la défense centrafricaine s'est interposée par Kassai pour mettre le ballon en touche. La touche qui va être jouée par Antalya. Antalya sur la touche. Antalya qui essaie de trouver un partenaire, mais l'arbitre dit faute pour touche à rejouer. Non, il y avait faute parce qu'il y avait un coude, je crois, ou la touche à rejouer. Touche à rejouer. Antalya qui n'avait pas fait la touche au bon endroit. Et dégagement pour cette équipe de Centrafrique. Le Centrafrique qui n'arrive pas à conserver le ballon. Ça repart là-bas, c'est bien. Un centre peut-être avec Hadja Issa. Hadja Issa qui centre, ballon récupéré au niveau de la défense. Le ballon voilà. Qui est glissant. Hein, Bien sûr, avec là il va y avoir des fautes. Il faut saisir ces fautes toujours des humettes pour nous parce qu'il a plu, ça glisse, ça rend les choses difficiles, ça rend le ballon. Il est...